Bah là en fait, bon bah il y a eu un autofill de support je crois. Et bah là Dans j'aurais la bien team? kiffé une petite Janna quoi. Ah, dans ta team, ok. Là j'aurais bien. Parce qu'à chaque fois que tu joues ton Skarner, c'est l'homme chien. Ah non c'est même pas l'homme chien, ok d'accord. À chaque fois qu'il y a un Skarner, j'arrive pas à avoir un mec qui disengage, ça me saoule. Voilà, il fallait Mais. clairement un Alistar, un truc qui repousse le Ah bah Skarner Alistar ou Janna c'était bloque, parfait là, genre c'était. un Trundle. Surtout qu'il aurait Là, pu prendre un Mickaël ou un truc comme ça, genre là Vel'Koz il peut même pas prendre de Mickaël Mais pour son là en équipe fait vous et. avez zéro pile quoi, genre qui c'est qui va pile, c'est. Mais c'est ça, C'est attends, Kane, c'est Quest? il voulait jouer Maître Yi, le Kane. J'étais comme non! Attends mais attends mais attends mais là Talon il. Comment dire? Comment est-ce que Talon va approcher les carry? Genre comment est-ce qu'il va approcher Fizz? C'est un de tes pétalons! Qu'est-ce que tu veux que je Ok fasse? bah écoute bonne chance à C'est lui. bonne chance hein, du coup! Voilà. Après Non, Après on va bah. voir hein. Après, il y a des talons qui montent très très vite. Moi j'ai rencontré un mec qui était Master Challenger. Je l'ai rencontré sur mon chemin, il avait comme 90% de win rate avec Talon. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il pushait un maximum avec Talon parce qu'avec son W ça touche tous les minions. Il push très très vite dans les premiers levels, il roam et il défonce tout le monde. Mais c'est de la solo queue. Là c'est très différent et il joue peut-être pas de la même façon. Du Je pense que ça a coup. accéléré pour le timer. Ouais, j'ai accéléré, c'est bon. Hop, ça c'est ici, ça c'est là, voilà. Du coup, bienvenue les gens, nous sommes dans le plat diamant de la semaine. Je rappelle que juste après c'est du bronze silver, mais il n'y aura pas Toucan. Là, on en profite de Toucan Solarine. Non, je pense pas qu'on peut dire ça actuellement, mais t'es dans plusieurs structures là en fait, hein. Là, je suis dans deux structures. Je suis chez Reg My Shadow et je suis chez Solary en tant En qu'analyste. tant qu'analyste. Donc Donc GG, on est mais. plusieurs analystes chez Solary, alors on a plusieurs on a tous des domaines un peu différents, nos spécificités chacune. Bon, c'est les maths, si on peut s'en Oui, douter. bah, on s'en Et doute. puis voilà. Oula! Tout simplement. Attends, attends. Je vais juste changer un petit truc. 2 secondes pour le petit freeze des gens. Je vais changer un truc. Je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà. Voilà, désolé. Et puis un petit coucou à Vactator au passage. Oui, coucou à Vectator qui s'est malheureusement abonné, qui n'a pas pu participer. On Il pense aurait à voulu toi? en plus. Évidemment, ouais, je suis désolé. Krimichael Desnini qui s'abonne pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Du coup, dans les deux équipes, nous avons à la botlane le homme chien, deuxième fois d'affilée. Je pense que vous commencez à l'aimer ce petit joueur. Je rigole. Qui joue évidemment. Non, qui joue pas du tout, évidemment. Normalement, il joue jungle et il joue avec son Ornn. Contre Sniped or Int avec Kled. Ils jouent tous les deux avec téléportation. Il y en a un qui joue avec Conqueror, évidemment, parce que l'autre, c'est pas vraiment un tank. En jungle, nous avons Rakrak Mehdi sur son Skarner. Skarner qui est très très fort, surtout avec Predator, je trouve ça complètement insane. Et j'ai hâte de voir le champion encore en action. Contre la mort qui tue, qui est rien d'autre que Merlin, évidemment, avec son Kayn. Là, le problème, c'est que la draft rouge, elle est pas ouf. Hein, on va pas se mentir. Elle est ultra squishy, je sais pas, mais Si c'est ça compliqué de snowball, rentrer dans le c'est droit. bien. Ça peut bien Ah mais snowball. Snowball déjà il faut que Ezreal puisse scale déjà avec son build de l'arme d'ADS. Et Ouais. est-ce que Vel'Koz Purge arrivera à tanker une Leona dans la partie quoi, je sais Ouais. pas. Alors par contre, Ezreal avec bouclier de Doran, alors que ça poke plus ou moins jamais en face. Ça me paraît, je sais pas, est-ce qu'il aurait pu limite prendre une gemme bleue tellement il. Je sais pas. Bah c'est Parce vrai que qu'il le serait. bouclier de Doran il est pas incroyable. Mais est-ce qu'il a Ce serait vraiment plutôt à autre chose Lucian aussi? de le Je sais prendre. pas. Mais Ouais. je sais pas. Ouais franchement j'aime bien l'anneau de Doran. Ça Ah peut ouais? paraître bizarre mais ouais l'anneau de Doran en vrai il est viable hein, Ah ouais, sur pour la la jungle. mana, ouais. Pour la mana et. Surtout la top lane dès le early quoi. Ton Q spell il coûte rien. J'avoue. Mais Et les encore, dégâts ils sont c'est convertis. parce que la lane est très faible. Il n'y a pas de Brand en face. C'est vraiment une Leona. Et Leona, bah, elle fait son E, Ezreal il fait son E, et il la touchera plus ou moins jamais. Le Fizz qui est en train de douiller, c'est normal dans les premiers levels, bah, c'est un CAC qui n'a pas de sort comme le Z de Talon. Il doit limite faire le E quand le Talon fait son Z pour l'esquiver, mais c'est pas très simple. Voilà, il doit esquiver, mais c'est pas compliqué. Putain, mais attendez, c'est peut-être le kill ça, non? Non, il n'y avait pas d'électrocute, donc Enfin, ça il va. a le flash et l'embrase à le talon. Ouais, il a flash l'embrase, mais il y avait aussi le burn plating de Fizz qui réduit les 3 prochaines. Attaque sort d'une vingtaine de dégâts. À la top lane, il se Le passe talon, de il a plus l'action. de mana. Pardon. Vas-y, talon, plus de mana. Oui, en effet, talon, J'ai plus de talon, il mana. a plus de mana, du coup, c'est. Comment dire? Fizz n'est pas si en danger que ça pour le moment. Bah, Talon a voulu vraiment mettre énormément de pression et essayer de chercher le kill très très tôt dans la partie, mais le Fizz ne s'est pas laissé prendre trop facilement. Donc, j'ai pas vu niveau vision, c'est pas mal du tout, équipe rouge là. Hein. Oh, la River Rouge, top lane.
très très intéressant en termes de vision. La vision bleue, bah, sans plus. Après le fils, bah, c'est normal, hein, il est un petit peu sous tour, donc il a pas vraiment le temps d'aller chercher de la vision. Attention, le Clet qui va reprendre sa monture, est-ce qu'il va pouvoir aller sur le Horn? Est-ce que le Horn est dans la merde? Le Horn qui va normalement succomber, oh. Le W qui passe. Attention, c'est pas, ça se joue à pas grand chose. Oh, l'esquive, alors je sais pas s'il a sidestep le Clet ou c'est sa monture qui l'a fait descendre et qui a esquivé le E. C'était très très bien joué des deux joueurs. Ça s'est joué vraiment un peu de retard par rapport à moi. Un millimètre. Oh là, c'était très... Vas-y, accélère. Ça s'est joué à rien du tout. Les deux joueurs ont très très bien joué. Je suis à 4 minutes 44 là. Okay, parce que moi je suis à 49. T'es à 49 50. Ah bah moi j'arrive pas à aller plus loin. Je peux pas... Je peux pas accélérer là. Là je suis à 56, 57. Au pire tu fais pause. J'ai 3 secondes d'avance en fait. Tu fais pause et tu remets après genre 3 secondes plus tard. Du coup bah premier kill sur Kled. Alors... Je pense que le homme chien en fait c'est un main jungle et je pense pas qu'il joue Horn souvent. Il t'a dit qu'il jouait Horn des fois? Non, enfin si il a proposé Horn. Il hésitait entre Horn et qui déjà. Bref, en gros je lui ai dit prends Horn parce qu'on a besoin de Lingage. D'accord, ok. De toute façon Horn c'est pas très grave. Tant qu'il met pas à 10-0 le Kled, Horn aura toujours une importance. Une très bonne comment dire. Même sans gold, il va être très important. On met jamais au fond Horn en fait, c'est pas possible. Son air, c'est comme Skarnar, hein, tu peux le counter jungle autant que tu veux, il aura toujours son ulti. Ouais, exactement. Exactement, du coup, bah là, les joueurs. Je sais pas qui va prendre une QSS dans mon équipe, ça va être important. Et ils mettent des bons dégâts. Hein. C'est très risqué, hein. Fizz Talon, ça va être tellement. Ça m'étonnerait pas qu'ils s'entretuent en fait. Ça va, ça peut aller très vite. Hein. Il y en a un qui fait une erreur, ça peut aller très très vite. Ah ouais, non. Oh, oh lol! Et je t'avais dit quoi, ils allaient s'entretuer. C'était exactement ça. Ça m'étonne pas du tout. Non mais tu voyais que c'est trop beau, hein, genre ils sont fous furieux, hein. Genre parce que lui il a quand même dive sous tour, niveau 6, il s'est pris 2-3 coups de tour. Ça a pas fait du bien, très bon E du Fizz. Faut faire attention, hein, le E du Fizz qui peut évidemment extrêmement bien bait sous tour, c'est un peu chiant. Dis-moi Conan, c'est toujours viable Zoé? Oui Zoé c'est toujours viable. Oh attention, AFK, Vel'Koz. Il s'est reconnecté, tout va bien. La petite pause après le kill, ça va. Évidemment, tu peux faire un slash pause s'il y a quelque chose où il y a un problème dans la game. En termes de gold, on est à combien là? Le Kled, il a quoi? Ouh là là, le Kled qui a déjà 600 gold d'avance. Plus de 650 gold. Eh, ça fait mal, hein. Après, c'est attends, logique, parce que... Ça n'a pas d'impact en vérité. Est-ce que le First Blood, ça te donne juste 100 gold de plus, non? Enfin oui, enfin, il a gagné 400 gold par rapport au Kled. Il a gagné 400 gold. Du coup, il est à 1900 et par rapport au kill d'avance. Enfin, ouais. Du coup, ça fait la différence. Okay. Mais en effet, c'est pas la fin du monde. En plus, il va pouvoir acheter du build le Horn. Bon, bah là, il a plus que 300 gold le Kled, mais ça devrait être cool. On va respecter le Kled, évidemment. Le problème, c'est que tu peux pas trop rester sous tour avec Horn parce que le Kled, bah, il peut aller très très vite. À la mid lane pour les ganks. Après c'est un Fizz, c'est un peu compliqué pour le Kled. Et le Horn qui ne se laisse pas. Il y a quand même un avantage pour Talon pour faire des rotations, mais déjà faire une rotation au top c'est compliqué pour Talon. Oui. Voilà, et la bot lane aussi, il peut y avoir la Leona qui peut embêter Leona et Lucian. Moi ce qui me fait peur pour la bot lane c'est le Fizz, hein. Le Fizz qui va vraiment s'amuser à la bot lane. Il touche un R, c'est vraiment tout un kill, hein. Si Talon il part trop dégâts, tu vois là il est parti de Tiamat. Après, donc Talon il est fou. Alors Talon, je comprends. Moi j'aurais pris un Ice Drinker, hein, contre un Fizz, hein, parce que. Il aurait réduit les dégâts de 40% avec juste une cape de RM. Parce qu'il a 40 RM de base, il passe à 65. Ça fait 40% de réduction de dégâts. C'est à dire qu'avec les Drinkers, c'est que même si le Fizz te met presque tout son burst, tu peux te retourner et le tuer limite. Ah oui, 100%. Tu peux plus te faire tuer par Fizz avec un Talon qui. Beaucoup trop résistant en RM. Alors qu'avec un Tiamat, c'est incroyable. C'est très 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 risqué. Hein. Tu te prends un R du Fizz, t'es mort là, tout simplement. A voir. Sinon, bah, il va devoir R et utiliser un mur pour se casser. Si c'est pas de chest, ça va passer. Mais ça me paraît un peu risqué. Attention, le Fizz qui engage contre les minions. Après, le Fizz peut se permettre de faire ça parce qu'il réduit un petit peu les dégâts des minions. Mais bah, non, on n'a pas respecté Talon là. Hein. Zéro dégâts d'ulti. Ah bah là, le Fizz a vraiment pas respecté. Il était... Parce que le Fizz réduit combien de dégâts sur les minions? C'est très léger, hein. Il réduit... Non, c'est énorme. Oui, mais je veux dire, comme ça, là, ce qu'il vient de faire, c'est... Ça va pas le sauver non plus, quoi. Tu parles du passif de Fizz? Ouais. Mais il doit réduire de 6 les dégâts des minions.
ou de 4, 4 ou 6, je sais plus. Mais c'est vraiment abusé en vérité. Et bah ouais, bah c'est pas été suffisant pour aller l'aider. Le Skarner vraiment qui va... ça c'est horrible hein. La vieille mort quoi. Tu vois, il te ramène sous tour. Très bon Skarner quand même rigole, qui a vu l'action. Mais ouais, non, c'est sûr que Skarner, bon, petit flash air, hop. C'est pour ça qu'il faut une QSS contre Skarner à un moment de la partie, ça va être très très important. Mais c'est vrai que c'est chiant les champions comme ça, Malzahar, Warwick, etc, Skarner, parce que ça te force à acheter une QSS. Bah c'est pas gratuit une QSS, c'est quand même environ 1000 gold. Attends, c'est 1000 ou 1300 genre? Plus 1300 je crois hein. La QSS c'est 1300. Ouais, c'est 1300, ok. Ah, Kled c'est pas mal hein. Kled c'est pas mal du tout. Attention, le Skarner qui va arriver, il n'a plus d'ultime par contre. Est-ce qu'on va pouvoir balancer le stun? Attention parce qu'il va sauter de sa monture. Il va peut-être pouvoir esquiver un truc. Oh, le sidestep qui est vraiment bien placé. Est-ce qu'il va pouvoir s'en échapper? Il a peut-être un Q pour gagner peut-être de l'espace. Le horn qui y va, le horn qui se fait flash out par le Kled. Il force le flash, pourquoi pas. Si c'était bien exécuté, le Kled avait une très bonne réaction pour son flash out qui permet d'esquiver le E de horn. On est parti sur de l'armure hein, pour Horn évidemment, parce que le jungler c'est de la D, le mid c'est de la T, c'est de la D. Il y a juste la botlane qui fait des dégâts AP, mais le top il est complètement safe. Il va pas être contre la botlane, à moins qu'il switch, et là ça ferait chier. Tu peux juste me redire le temps s'il te plaît, ou tu Je suis à 9 minutes 34, 35, 36. 36. Ok, c'est bon. Et du coup nous avons deux ADC en passant. Nous avons pas de briseur, Vladimir ou Jax, Irelia à la botlane. Non, ils étaient pas motivés pour jouer ce type de choses. Après, je veux pas aller contre leur volonté. Ah bah ouais, moi non plus. Hein. Justement, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'il y a des gens qui first time des trucs comme ça et qui sont complètement perdus. Alors que là, bah, ils continuent à jouer des ADC. Et vous allez voir qu'en mid-late game, bah, les ADC ont toujours un impact très important. Hein. Donc ça va être stylé. Divinity KS qui balance 100 bits. Vous pensez quoi de la suppression de la bannière de commandement? Ah oui, c'est vrai que je t'en avais pas parlé de ça. Ah, la suppression de la bannière, c'est une bonne chose en fait. Enfin, j'adorais cette item, c'était clairement un de mes objets préférés. Mais le problème, c'est que ça rendait le jeu beaucoup trop passif. Et surtout, compétitivement, ça cassait les actions et ça forçait à aller des push. D'accord, c'était moins spectaculaire comme jeu. C'est ça, y a pas de... Alors là, pas de chance. J'avais même pas vu que la... Le Vel'Koz avait une cleanse. Okay. Le... Ah mince, Ah merde, le Ken qui se fait tout de suite R par le... Par le merde, le Skarner, sauf qu'il avait son ult et ils ont pas du tout focus le Kane, du coup il va pouvoir s'en tirer et ils ont eu le kill sur Leona. Leona qui a pas eu de chance, hein. Elle est allée sur le Vel'Koz, elle a stun, il avait cleanse, elle fait R sur le Ezreal, il fait E, elle a rien touché du coup. Bah elle a limite tout touché, en même temps ils ont tout esquivé, c'était très compliqué pour elle. Le Kled qui dive, le Horn, aïe aïe aïe. Et ouais, la Conqueror qui fait vraiment trop la différence en vérité. Surtout qu'il a pris de l'armure, du coup là le Conqueror c'est vraiment ultra rentable. Désolé, en fait, mais comment ça se fait que je mélange autant de noms? Skarner, Kane, Kled. Bon, Kane, Kled, c'est vrai que c'est chiant. Ok, pourquoi pas. Alors attention, le fils qui va all-in, est-ce que ça va passer? Ah, mais on avait le petit. Ok, d'accord. Oui, il a la rune. Il a quand même la rune pour le petit shield. Mais tu vois, juste, il suffisait juste d'une cave d'RM. Ah, bah clairement. Clairement. Oh, oui, il a pas besoin forcément de l'Exenker avec la rune, j'ai pas pensé à la rune. Et là, le fils, lui, mais il a pris de l'armure. Du coup, même quand Talon s'est retourné. Il a plus dive. Exactement, et il a pu dive, exactement. Il a pu annuler la dague dentelée, maintenant ça va être une Yomu ou une Draktar. Une Draktar, je pense plutôt. Ouais. Mais il a pu annuler la létalité du talon, il a pu tanker les dégâts de la tour, réduire les dégâts des sbires avec son passif. Et ça on dirait pas comme ça, mais plus la potion qui soigne, etc., bah, ça lui a permis de dive en fait. Exactement, ah non, bien vu. Bon, le Kled on savait hein, qu'il peut pas aller vraiment sur le Fizz il a juste à E pour esquiver l'ultime de Kled. Le talon, ouais non. J'allais dire que le talon, mais non, mais j'allais dire qu'il va prendre des Yumu et aller à la botlane pour le Vel'Koz, mais c'est, je suis con, c'est de la même équipe. Pour moi, t'es une équipe qui est dominante par rapport au early, c'est-à-dire qu'ils ont. Enfin, c'est surtout le talon. Talon et Kane. Kane est un jungler aussi très dominant en early. Après, il y a forcément la top lane. Le M-Chien qui perd contre Kled, ça c'est normal. Un Horn peut difficilement tenir contre Kled, avec la Conqueror. Mais il va arriver à un stade où mon équipe va reprendre l'ascendant en fait. Ok. À part si Ezreal vraiment est un génie et qui scale de ouf. Mais je pense pas que ça se passera comme ça. Parce qu'on aura toujours le facteur Skarner oui. Qui va diviser les forces. Ah bah là ton équipe est beaucoup mieux, beaucoup plus harmonieuse en termes de teamfight et ça va être, je pense que nous on n'a pas le droit à l'erreur. Et vous normalement ça devrait mieux se passer plus tranquillement. Là le truc c'est que à chaque fois... Ton Skarner fait des bons ganks à la botlane, mais il faut qu'il revienne en fait. Parce que là, il n'y a plus de flash,
Y a plus rien pour ma botlane. Il faut qu'il revienne. Attention, le talon. C'est ultra agressif comme lane. Hein. C'est fou. Hein. Ils doivent être sous pression. Hein. Ça doit pas être simple pour eux. Niveau vision, on est comment là? Quoi ce jump qui a merdé de ouf? C'est quoi ce jump de merde? Bon, tant mieux en fait. Là le carré. Oh non! Ah non, là, 4 DRM! Oh. Mais non, mais le Ken, ouais, il a flash! Quoi qu'il arrive. Oh non, est-ce que là, le Ken, ce qu'il aurait pu faire, c'est se prendre le ult? il smite le Fizz, il erre dans le Fizz, et du coup, le talon n'était pas mort. Oh non, c'est trop dommage. Là, mauvaise communication. Alors le mur était bizarre. Hein. Là, le mur était bizarre, bon, ça lui a donné un kill ou pour Ken. Qu'il ait sauté de cette façon. Mais alors là, ouais, c'était un peu bizarre. Attention, le Kayle qui est niveau 9 avec un red buff. Il a juste un niveau de retard et le Fizz n'avait pas d'ultime. Du coup, il s'est permis d'aller chercher des petites âmes. On est à 14 minutes. C'est environ le moment où il a sa transformation, le Kayle, ou pas, tu penses? Ils l'ont bien up, ça. Je ne connais pas du tout le temps de transformation, ouais, de Kayle. Je sais qu'il y a des trucs avec les âmes et tout. Il a sa transformation, c'est bon. Il a pris la transformation en tank. Du coup, ils ont deux bons tanks. De toute façon, il avait pas le choix. Là, tu prenais assassin, c'est fini. T'as perdu. Là, vraiment, le tank va vraiment être assez efficace pour aider le Kled, parce que le Kled va pas vraiment partir tanky, il va partir avec pas mal de dégâts. Le Kled qui part quoi, la Trinité? Non. Il prend quoi? Non, Tiamat, je veux dire... merde, c'est quoi? Hydre titanesque, là, ça. Là, il part couper Hydre. Ouais. Il va être chiant, le Kled. Il va être chiant, le Kled, en vrai. Hein. Là, il n'y a pas de joueur qui me choque sur le build. Là, ce qu'il faudrait juste acheter dans mon équipe, c'est des points de vie. Et y a que Skarnar qui en a acheté pour le moment. Ah, ça va. Ouais, est-ce que ton Fizz... Ouais, ton Fizz a quand même 4-6 plus ou moins. Attention, le talent qui n'a aucune résistance magique, du coup il va se faire complètement détruire. Et voilà, mais c'est... Ça c'est la Draktar, hein. Elle est maudite, ta Draktar. Ah mais... Tu peux prendre Draktar si t'es contre une Lux ou un Xerath, peut-être, ça va le one-shot tout de suite. Et encore, normalement, si le mec est pas con en face, il va prendre un Zonia et tu vas faire beaucoup moins de dégâts. Bah là, on a l'exemple concret que Fizz n'a pas fini d'item et finit par dominer le talon, juste parce qu'il a l'établi et le brassard. Clairement. Talon, il a pas acheté la résistance en early. Là. S'il faisait Exunker, mais il aurait la rune plus l'Exunker qui donnerait un shield abusé, ça aurait été un dieu, quoi. C'est sûr. Parce que là en solo queue, des fois, je prends... Tu vois, je joue pas et que je suis contre un Panthéon et... Attends, c'est un drôle bordel. Le Fizz qui se fait plus ou moins engage, mais il a plus d'ultime. Le Kled qui est complètement dans la mêlée, qui est tout seul, il a déjà ult pour engager, évidemment. Là, l'équipe bleue qui est vraiment pas bien, ils sont tous plus ou moins low. Le Kane qui s'est fait air par le Skarner qui va pouvoir s'en sortir. Au dragon, qu'est-ce qu'il va pouvoir... Je sais même pas, il y a même plus de jungler à l'entrée du dragon. C'est qui est en train de mourir là? C'est le Kled qui est mort, le Ezreal qui est complètement tout seul. C'est la partie qui vient de se retourner. L'équipe bleue qui vient de faire un match complètement... un fight complètement fou. Ils ont trop bien géré les rotations de leurs agros, et ils sont tous plus ou moins low life, et du coup l'équipe bleue, bah ils se sont pas... Alors je veux dire, l'équipe rouge, ils étaient partout et nulle part en même temps. Ils ont tous focus un joueur, et ça, bah les gens, c'est pas trop ce qu'il faut faire. Du coup, c'était le carnaval, je trouve. L'équipe bleue qui vient de revenir dans la partie. Après, l'équipe bleue, j'ai pas vu l'ultime de Horn, j'ai pas vu les ultimes comme ça, mais je pense que ça fait une différence complète parce qu'il y a beaucoup plus de CC pour l'équipe bleue. Je sais pas si le Vel'Koz a eu l'ulti Skarner. Il y a eu l'ulti Skarner sur Kayn. Sur Kayn. Et Kayn est mort après, ça s'est joué à pas grand chose. Enfin, c'était. J'ai un petit peu bugué là. Hein. Et du coup, voilà, c'est ça. J'arrivais pas à suivre, honnêtement, là, toutes les personnes qui sont fight en même temps, j'ai pas pu suivre. En fait. Là, ça partait dans tous les sens. Alors, par contre, Quadra Tapis Ninja pour ton équipe. Nous, ça va être Quadra Mercure. Quadra Mercure, ouais, je pense. Et là, le Vel'Koz, bah, il lui faut du stuff. Hein. Là, il lui faut du stuff et il faudra évidemment faire attention au Fizz qui peut le one-shot, parce que si le Vel'Koz, en fait, c'est assez risqué. Il peut partir sur l'Udeneko, ce qui sera très bien en termes de dégâts, mais tu te fais toucher, bah t'es mort en fait par le Fizz. Du coup, va falloir faire attention parce que le Fizz, en plus, bien dans sa partie actuellement, dans la composition, va faire sûrement la différence. Parce qu'en solo queue, ça peut fonctionner. Il y a un mec qui est à AF, il y a un mec qui feed, il y a un mec qui joue pas avec ton équipe, ça peut passer. Mais en coach abonné, viewer, etc., bah vous êtes tous en vocal, vous êtes une équipe. Du coup, bah, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une meilleure draft qui se joue bah, en équipe, tout simplement. Mais ouais, là, le talon, c'est bizarre que le talon n'ait pas pris de résistance magique en fait contre le Après, physique. Il était confiant, enfin, c'est vrai. Mais même quand t'es confiant, en fait, il y a un truc qui me. Des fois, je prends plus de résistance, même quand je suis trop bien dans ma partie,
Bah j'ai tendance à prendre beaucoup plus de résistance en fait. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les résistances ça donne une capacité de outplay en fait, quand on l'a choisi comme parce il faut. Parce que là regardez le talon, il ne peut plus rien faire en fait. Il peut même plus encaisser pour trade après. Allez j'ai int. Ouais voilà, là, là le talon il est dans la merde. Il s'est peut-être senti voilà trop confiant et ça lui a coûté trop cher. Et là il arrivera plus. En fait ça a exactement fait comme moi avec Zoé. J'ai pris le kill sur Fizz, j'ai pas du tout respecté, j'ai pris Luden et Kurabadon. Alors que bah, si tu fais une Banshee, bah Fizz ne peut plus t'agresser ouais, puisque c'est basé sur l'ulti. Tu prends Fizz Zhonya. Tu prends Banshee Zhonya. Le Zhonya bah t'es ultra safe contre Il faut éviter d'acheter les deux, c'est poubelle de prendre les deux. Ah les deux tu penses que c'est pas Non, c'est soit tu fais soit l'un soit l'autre. Même s'il y a des trucs très très pratiques en fait, pour ton Zhonya. Ce qui se passe c'est que Zhonya et comment dire Zhonya et Banshee sont des items qui sont de la même catégorie, des items défensifs. T'auras forcément moins de stats offensives. Donc en gros par rapport au prix qui est assez élevé sur ces deux items, bah, tu vas perdre beaucoup trop de gold et de temps à acheter ces deux items et beaucoup trop d'agression en fait. C'est trop passif. Parce qu'après tu vas avoir des objets de spike plus importants, je sais pas comme le Luden, le Rabadon ou autre chose, qui eux te donneront vraiment des dégâts en fait. Mais là par exemple je te parle d'une solo queue où ça joue vraiment trop assassin. Fizz, Fizz et mid, jungler CZ, des trucs comme ça. Mais tu dois choisir entre le Zhonya et la Banshee. Mais ah ouais les deux, c'est... Mais est-ce que t'as assez de dégâts des si rares tu prends... cas exceptionnels. Ouais, je te parle quand même d'assez des rares cas là, mais c'est de la solo queue, tu vois, genre... La solo queue, c'est vraiment beaucoup d'assassins bah, briseurs, quoi. La solo queue, surtout en ce moment, ce qui t'aide à vraiment faire la différence, c'est la mobilité. Parce que t'auras peut-être pas de défense en soi, t'auras peut-être pas ni d'armure ni d'RM par rapport à la mobilité, mais tu pourras soit dodge les sorts, soit créer des agressions, en fait. D'accord. Parce que tu pourras engage ou disengage. C'est ce qui marche le mieux en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est axé sur la mobilité, c'est ce qu'il y a de plus fort actuellement. C'est pour ça qu'ils ont pas mal nerfé les personnages qui pouvaient comment dire, dash, un peu comme les Lee Sin. Maintenant Lee Sin y revient parce qu'ils peuvent lui rebooster les dégâts puisqu'ils ont retiré les wards pour Lee Sin, etc. D'accord. Donc là le Fizz on a dit, hein, il va s'amuser Fizz, il a juste besoin de venir à la botlane, c'est un kill. Vel'Koz, Ezreal, bah ça a aucun disengage, il y a juste le Ezreal qui peut E, mais là le Vel'Koz a juste flash, il avait pas le choix. Du coup là dans 30 secondes le Fizz y revient, bah c'est encore un kill en fait. C'est pour ça que là le Vel'Koz ça nous met un petit peu mal. Ça va être bien, en fait on avait besoin d'un Vel'Koz parce qu'il y avait un autre TP talon. Et on avait besoin de dégâts magiques, en plus ça avait des dégâts purs etc avec Vel'Koz, du coup ça va être bien mais... Ah attention de pas tout mettre sur la Leona qui peut faire un petit bait. Voilà le Skarner qui arrive, le Skarner qui va tout de suite faire son ultime, la QSS qui a été un petit peu trop précipité. Est-ce que le Skarner... Oh putain le Ken qui est allé dans l'ADC. Le Kled qui a un HP. Kled qui a un HP, qui a repris sa monture, l'équipe bleue qui refait la différence. Est-ce que le Kled va mourir? Je pense que le Kled va mourir. Oh là là le flash in c'était ultra agressif, on pensait pas pouvoir le tuer. Incroyable. Et finalement ça va mourir. Ce fight top lane il est épique, c'est mon préféré. Et du coup le jungler de l'équipe rouge est mort avec le support et le Zeril était mort juste avant. En tout cas ça me fait vraiment plaisir parce que ce coach abonné on sent que les joueurs ils mettent du cœur. Enfin, ils sont chauds, hein, ils sont vénères, hein, ça part dans tous les sens. Ils sont vénères et ils hésitent pas à frapper parce qu'on a eu des coachs. Regarde moi ça, comment ils sont vénères de ouf. Mais tu vois l'exanker plus la ruine de talon ça l'a rendu mais tellement tanky. Ah il a enfin acheté les drinkers. Fallait l'acheter beaucoup plus tôt, fallait l'acheter vraiment plus tôt. Il aurait acheté un plus tôt, bah Fizz il aurait été counterplay dès l'early. Ça aurait changé toute la donne. Oh attention. Oh ouais non ça c'était obvious que le Fizz avait son E. Malheureusement on utilise l'ultime un petit peu prématurément pour le Vel'Koz. Là la botlane c'est un petit peu chiant pour la botlane de l'équipe rouge parce qu'ils ont vraiment 0 kill. Pas beaucoup d'assist. Là on repose trop sur Kled, Talon. Le Ken est bien parce qu'il est parti tank, même en 1-4, il est important. Il fait son taf, il y a du CC. C'est juste qu'à chaque fois il arrive en mode qui doit sauver sa botlane, qui se fait un petit peu trop engage, du coup il arrive pas dans des bons timings, c'est un petit peu chiant. Le Horn qui souffre un peu avec la rune Conqueror hein, et l'avantage qu'a Kled avec son hydre de Thanes. Il souffre mais il est quand même remonté parce qu'il revient vers 0-3 il me semble. C'est pas un... Ah ouais non mais clairement il y a eu un très très bon fight au dragon. D'ailleurs c'était un dragon quoi? Un dragon de quoi? Devant? Ok d'accord. Là il y a un dragon infernal, tu mets ça sur l'équipe rouge, c'est pas bon. Attention parce que là les drinkers est toujours pas disponible. Il fait son R, est-ce que ça va passer? Non ça va pas passer, on a l'ultime de Kled. On va pas risquer. Vas-y il faut sortir tout de suite avant qu'il ait son E. Oh là là. Incroyable. Cette patience qu'il a eu le Fizz. En plus il a déchiré genre. Je sais pas si le,
le Ken pouvait sortir plus tôt, mais il fallait vraiment sortir plus tôt parce que le E, sinon il allait pouvoir s'échapper. Pas de chance, ça s'est joué à très peu de temps. Je connais pas le temps d'attente que Ken, dans lequel il peut pas ressortir directement. Non, c'est vraiment rien du tout, attention, la botlane qui se fait engage. Il n'y a pas de disengage, du coup là ils utilisent le heal pour essayer de s'échapper, mais ça va être un kill sur Vel'Koz. Ça c'est normal. Là, la botlane rouge, ils doivent jouer ultra safe ou jouer en équipe, mais jamais ils peuvent aller plus loin que la moitié de leur lane. Ça marche pas, le Vel'Koz Ezreal, on savait que ça allait être très très compliqué à jouer et fallait gérer le positionnement, mais c'est pas évident. Du coup on va prendre le deuxième dragon infernal pour, bah le premier dragon infernal, mais ça va être leur deuxième pour eux, pour l'équipe bleue, et ça leur met bien. Ça leur met bien, 16-10. Après il y a que plus ou moins 1004 différence, bah 1000 gold de différence. La game reste très serrée en vrai. Oui, c'est... en vrai c'est ok. Et Talon aussi, à un moment il était dans le mal, il est remonté, donc là ça va. Mais le problème maintenant, ça va être à gérer. Talon aura appris un truc et on est content pour ça. Mais c'est vrai que les Drinkers, c'est trop important contre Fizz, c'est beaucoup, beaucoup trop important. C'est une obligation. Même si le jungler en face. En plus, le jungler en face fait des dégâts magiques en plus. Mais bon, c'est pas non plus une Elise, mais. Après, le problème dans ta team, c'est que t'as aucun de tes joueurs qui a acheté un item d'armure en fait. Là où le Lucian, il fait faire son coup près noir. Là, il l'achète tout de suite là. Ah ouais, ah ouais, il a son coupé noir et là ta team elle est genre ultra mal. Ça va être compliqué parce que ma team en plus c'est des mecs qui font beaucoup de dégâts. Du coup ils se disent bah je vais acheter un petit peu de résistance magique et je vais acheter des dégâts, mais je peux pas prendre résistance magique plus armure sinon je vais faire zéro dégâts en fait. Non. Du coup, là Ezreal il est parti bot de mercure, alors l'idée est bonne, mais en soi Ezreal il est pas du tout fait pour faire des mercures, il est censé toujours être en backlane. Et les mercures c'est pas... Ouais. Ezreal par lucidité. Ouais c'est ça, Vel'Koz, Ezreal, ils peuvent ne pas prendre de mercure. Mais par contre tu prends une QSS parce que si tu te fais flash air par le... La QSS Sarna, oui, la QSS sur Ezreal elle est ultra importante, ouais, pour vrai, l'ulti de Leona par exemple. Ou même pour l'ulti de Fizz. Mais en soi les mercures sur Ezreal c'est pas un objet adapté pour Ezreal. Même si l'intention est bonne. Ouais. Là faut... Ils vont sur Kled, bon ils font péter l'ultime de Kled, c'est quand même pas mal. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de focus le Kled en vrai. Après, parler un peu de synergie des objets, t'as Kled et Kayn qui ont tous les deux parti couperet noir. C'est pas intéressant en vérité d'avoir deux couperets noirs dans la partie. Parce que tu vas avoir deux effets de debuff. Alors, ça peut se pseudo-cumuler en soi, mais il aurait mieux valu que Kayn parte sur d'autres objets, pouvoir soit encaisser le tas ou autre. D'accord, ok. C'est ultra utile par contre. Le ralentissement du gantelet givrant de Horn, ça fait vraiment chier le Kled, hein. C'est vraiment bien joué ça par contre. Hein. C'est vraiment très très intéressant. Par contre, t'as vu le Fizz? Bon, il a 10 stacks, mais il a ton objet. Hein. Il a tes petits ombres jumelles. Attention, l'engage sur le talon. Le talon qui va tout de suite disengage. Le Vel'Koz qui va se faire juste catch. Le Vel'Koz. Sur la purge. Est-ce qu'il appuie sur purge? Oui, il appuie sur la purge. Il a appuyé. Mais... Vel'Koz. Moi, je troll un ça, petit peu. Mais... T'as pas de Monchi. Joue très très loin. Très loin. Là, je lui ai limite conseillé. Bah, t'es limite obligé de prendre une Banshee avec Vel'Koz contre une équipe comme ça, parce que là Leona te fait R, t'es mort. Fizz te fait R, t'es mort. Et Skarner il va trop vite, il fait R, t'es mort. Du coup, c'est très compliqué pour Vel'Koz. Sur les ombres jumelles. Oui. Les ombres jumelles actuellement, c'est un objet ultra oppressant. Déjà, il a été buffé sur la puissance. Je crois qu'il a gagné 10 d'AP, bon, peu importe. Mais ça permet que dès que les ombres arrivent, bah, l'ennemi va forcément reculer ou paniquer en fait. Et quand t'es contre un Fizz. Mais ça peut l'éviter d'utiliser un E au Fizz, du coup il pourra utiliser son E défensivement ou offensivement s'il veut faire un dive par exemple. Ouais. L'ennemi sera obligé de reculer s'il voit une ombre qui lui arrive dessus, sinon il est sûr qu'il va se faire éclater. Parce que les ombres permettent à Fizz de pouvoir bien jeter son ulti, parce que l'ennemi sera ralenti. Ah mais les ombres c'est jusqu'à trop bien, 5 secondes. Hein. C'est trop bien les ombres. Parce que 5 secondes de slow c'est énorme hein, ce que peuvent donner les ombres. C'est vraiment 5 secondes c'est ultra long. C'est vrai que c'est très très long. Est-ce que les sandales mercure fonctionnent sur le slow des ombres? Oui, c'est, donc si avec les mercures tu réduis 35% je crois, du coup tu vas pouvoir ignorer. D'accord. Voilà, tu seras slow pendant 3 secondes en d'accord, fait. Ok. Le talon qui part encore sur de la létalité, qui prend Yumu contre une équipe un peu tanky, Horn et qui tout. Qui pas mal d'armure, non, c'est. Là Talon il vaudrait mieux qu'il parte sur le Dominique. Ok. Le Dominique. Là le coup près noir il en veut pas Talon. S'il veut des HP il faudrait qu'il les trouve ailleurs. Pourquoi? Parce que le coup près noir, il y a déjà Kayn et Talon à ce stade de la partie, ne peut plus engager tout seul en fait. D'accord, ok. Et pourtant, Talon profite très très bien du coup près noir. Mais... Ah, le cheese. Mais là, si t'as 3 personnages coup près noir dans ta team, là c'est vraiment pas rentable du tout en fait.
Attention, attention, parce que là, le Kled s'est fait chier, sauf que le Vel'Koz avait un excellent spot pour faire son ultime qui a touché 2 ou 3 personnes, si je me trompe pas, la Luna qui va succomber. Et finalement, ce Cheese qui s'est complètement retourné parce que l'équipe était finalement proche du Kled, mais alors il s'y attendait pourtant pas du tout. Et ça fait 3 kills pour 0. Le Fizz par contre qui est tout seul. Oh non, on fonce dedans et on va se faire peut-être one shot par le... Et le Fizz qui tank, hein. Il tank la tour là. Ah bah il a de l'armure, hein. Grâce au talon, il a pu prendre de l'armure sans aucun problème. je l'avais dit, hein. Je l'avais dit que le Fizz, ça allait être un énorme problème pour la bot lane. Oui, ta team qui fait le nash quand même. La team qui fait le nash. Ça fait durer la game, c'est sympa. On est qu'à 29 minutes, tout va bien. Ce nage qui a quand même donné 1500 gold à ta team, quoi, c'est magique. Super top laner, aïe aïe aïe. Non, c'est bien, en vrai, Horn se démerde vraiment bien. Parce que je répète que Trexie ne joue vraiment pas top, hein. Je l'ai jamais vu top, à chaque fois que je regarde, il joue jungle. Intéressant. Intéressant de voir des gens qui veulent découvrir plus de rôles dans League of Legends. Mais ouais, là, le Fizz, tu vois, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans une game. Je l'ai pas respecté. J'ai commencé Ludeneko Rabadon. Mais même s'il était 10 fois moins bon que moi, bah, il a juste à faire R et j'étais mort en fait. Même un EQ, j'étais mort. Hein. Je rigole parce que Clyde et Kayn, ils ont le même build. Que chose près. Clyde et Kayn. Ouais, j'avoue, putain. Le même build là, c'est ouais, pareil. Là. Alors pourquoi ils prennent des. Alors oui, le visage spirituel. Visage spirituel sur Kayn, je veux bien, mais. Sur Kayn, y'a pas de soucis. Sur Clyde. Clyde, il a pas vraiment de regen, il a pas de. Il en profite pas assez. À part s'il part danse de la mort soon. Mais ouais. Sinon, c'est. Ok. C'est possible, what the fuck. Le Ezreal qui vient de E. Et c'est pas le bon endroit. Attention, le Fizz qui va peut-être toucher son ultime sur le Vel'Koz. Le Vel'Koz à dash out, je crois. Flash out. Le Fizz, sans aucun problème, va s'engage avec son E. Et le Ezreal. Ah ouais, non, mais la bot lane. Non, mais on savait que le Ezreal Vel'Koz, ça allait être une catastrophique. Parce que. Là, le problème, c'est que notre support pouvait jouer juste un mage. Alors là pour Ezreal, on est sur un problème thématique, c'est qu'il part BE Terka, là où enfin, il y aura le coup pendant des alliés, mais il n'a pas de pénétration dans son kit, en fait. D'accord. Sauf que si là, Ezreal fait ça, bah, c'est l'arme de Hades, il va devoir la mettre de côté et d'abord faire un Dominique. Alors, par contre, ce qu'il a fait, le talon, c'était pas dégueulasse, là. Là, ce qu'il a fait, le talon, par contre... C'était assez beau gosse. Le Kled qui va engager. D'accord, sur la tour, pas de soucis, on va juste prendre la tour. Le scanner qui se fait ralentir, qui va pas pouvoir protéger la tour. Le talon, par contre, ce qu'il vient de faire, c'était assez stylé. Ouais, c'était magnifique. Non, mais vraiment, c'était pas dégueulasse. Là, le problème, c'est qu'il faut vraiment que la botlane revienne un petit peu dans la game. Ah, d'accord, le Vel'Koz qui a carrément. Tu vois, il voulait faire son Ludeneko, il m'a dit. Et ben, il est parti sur un Zhonya tellement Il a raison. Il a vu tout de suite que le Ludeneko c'était trop compliqué à aller chercher. Nécessaire là. Mais là on a Lucian qui est en 5-0-4. Du coup c'est un peu la bête à tuer quoi. Ah, en plus il a pris. Il peut même pas se faire plus ou moins tuer par Talon. Il a pris le fantôme danseur, du coup c'est un petit peu compliqué. Il a des Tabi Ninja en plus. Là le Talon peut même pas aller le chercher. Ah par contre Talon pris. Il y a aussi le vœu du chevalier et le Zeke de la Leona. Oh, ah ouais putain, waouh. Ah donc oui, là il a deux objets de ah ouais, ouais. Horn qui a fait un vœu du chevalier pour le Fizz qui pourra tanker tous les dégâts physiques des ennemis. Oh ça va être trop compliqué. Là le truc c'est que Vel'Koz, il avait 5 kills au lieu de 0. Il se positionne. Mais là, pas de problème de... Ok, peut-être que ça change beaucoup de choses. Ah attention, ça passe là. Le souci de Vel'Koz c'est que pour être vraiment menaçant, non là il faut pas qu'il y ait le Fizz. Bien le souci pour Vel'Koz, c'est que pour vraiment avoir son plein potentiel, il va lui falloir beaucoup beaucoup de puissance. Alors soit il a la tempête menaçante et la game dure 50 minutes et ça peut marcher. Mais sinon ça va être très très dur. Là, parce que Vel'Koz il est niveau 13, là où il y en a qui sont déjà niveau 16-17. Ouais mais non 18 le physique. Il est 18, voilà. Du coup c'est une très très dur. Non mais là vous rendez pas compte, mais le Vel'Koz, il se prend un QW de Fizz, il est mort en fait. Le problème de ta botlane aussi, c'est que Ezreal est. Enfin, surtout Ezreal, c'est un ultra scaling en fait. C'est-à-dire que. Il faut réussir à être bien, et même le support, faut pas un Vel'Koz, faudrait un support beaucoup plus. De temporisation en fait. Ouais, non, mais on avait pas le choix. Des fois, les gens, bah. Je rappelle que le support, bah, il a été autofill. Et il n'avait que des mages dans son compte. Et je pense qu'il s'est joué que des mages. Et bah, c'est très différent. C'est très différent. Et. Léonard contre les mages en fait. Hein. Les mages, c'est quoi? C'est Squishy?
Et c'est à distance. Léona fait quoi? Elle contre les mecs à distance qui ont pas de mobilité. C'est exactement ça en fait. Du coup, Léona fait un R. Bah, si t'as pas de flash ou pins, t'es mort. Voilà. Le R qui passe sur le. Sur le. Hop. Horn. Terrassé par le. L'ultime de Horn. Le Kled qui perd sa transformation. Le talon qui fait peut-être beaucoup de dégâts dans le teamfight. Attention, le fils qui est tout seul contre là-bas. Le Kled qui va. Le Ken qui va peut-être gagner du temps en faisant de la temporisation. Le talon qui revient dans le teamfight. Est-ce que ça va passer? Le talon. Le fils qui va mourir. Le. Kane qui a flash out derrière le mur. Attention, mais attends, ils se sont bien retournés parce que là, le backlane s'est fait complètement avoir. Le Fizz a pas trop respecté. C'est quoi incroyable. Ce teamfight incroyable. Alors là, le truc, c'est que le Fizz a chase je sais plus qui. Et il y a eu une merde. Le noir est mort. Non, ça c'est un flank. Il y a eu un flank de Kled. Non, de Kane et de Talon. Assez insane, le talent, je crois qu'il a touché tellement de gens avec son W et son R, et ça fait tellement de dégâts. Le Kled qui a temporisé là, comme pas possible. Non, il peut pas venir. Non, ils vont pas. Par contre, ce teamfight là, je suis désolé, on le voit juste en plat de diamant. Hein. Oui, mais ça, tu verras jamais ça. La game avec Vic, tu te souviens, qui a duré 4 heures là. C'était. Non, là, les joueurs ils se fight, c'est ça qu'on attend dans Quatre Club Bonnet, c'est qu'il y ait du sang quoi. Même non, si là, ça se passe mal, la game est insane, hein. Ils vont après. Après on sent qu'ils jouent pas très 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 sérieusement dans le sens où ils prennent du plaisir en fait. Par rapport à la manière dont ils font les fights, parce qu'ils savent que c'est risqué. Et pour le beau jeu ils le font jusqu'au bout quoi. C'était tellement risqué comme fight en vrai. Et le talon bah il a vécu pourquoi? Il avait sa résistance magique je pense hein, tout simplement. Ils ont de la résistance. Le Ken qui a bien temporisé. Le Ken a tellement tempo entre son ulti, son flash à travers le mur. Il a tempo mais tellement. Il était 1v3 hein. Il a 1v3 le talon il a. Il a disengage, il l'a fait en deux temps, il a engage, il s'est cassé, il est revenu. C'était très très bien joué, c'était vraiment très bien joué. Là le problème c'est le Ezreal et le Vilkos, bah c'est un petit peu les boucs émissaires. Hein. Mais vraiment, ils sont là juste pour se prendre l'ultime de Fizz. Du coup après il y a peut-être plus grand chose. Léona va peut-être ult aussi le Ezreal. Donc la botlane, oui ils sont en 0-5-0-9 les deux. Mais je pense qu'ils ont un rôle assez important de bouc émissaire finalement. Hein, parce qu'ils utilisent pas mal de ressources de l'équipe en face. Et du coup, il n'y a plus rien pour le talon, il n'y a plus rien pour le Kled, ni le Ken, et ça peut peut-être jouer. Hein. Surtout que là, si Ezreal arrive à finir son build, ça va être très compliqué. La game est super serrée, hein. 2000 gold de différence. Hein. Ouais, le Ezreal qui va finir son... Parce que même s'ils sont en 0-9, ils finissent leur build, bah on s'en fout. Là, ce qu'il faut, c'est d'abord que Lucian puisse avoir son Ange Gardien contre le talon, parce que là, talon, ouais. Il va chercher que le Lucian. L'Ange Gardien sera vraiment très bien, là. Ok, en termes de vision, on est combien? Il faut que l'équipe bleue, si elle veut gagner, il faut qu'elle soit très patiente et qu'elle attende l'erreur de l'équipe adverse. Parce qu'en gros, si l'équipe bleue reste paquet, l'équipe rouge ne peut pas engager tête baissée, quoi. Ah bah ton équipe, s'il faut une erreur, en fait, le Vel'Koz, il faut qu'il chope Vel'Koz, sinon Vel'Koz, il fait un R dans ton équipe, ça peut foutre très mal. Mais Vel'Koz, c'est pas très dur à choper, en vrai. Ah bah là, surtout que je... Mais qu'est-ce qu'il fait, Vel'Koz? Non, mais il est fou. Je comprends pas comment pourquoi il a fait check, genre limite. Ah, est-ce qu'il a vu le Fizz qui était un petit peu trop éloigné, genre? Oh, et le Vel'Koz m'a fait trop trop peur. Parce que le Vel'Koz c'est une chips, hein. Il se fait stun, il est mort. Hein. Il m'a fait peur. Après, peut-être que c'est... On n'entend pas les joueurs. Hein. On parlera avec les joueurs après pour voir leur stratégie. Si t'as le temps de tout camp, mais sinon il y a pas de problème. Hein. T'inquiète, j'irai avec eux. Si, j'ai un peu de temps. Et vas-y donc. 36 minutes. Un peu mon équipe, elle a quand même 3 dragons si on arrive à avoir le Elder. Enfin, là c'est compliqué à aller chercher mais... Ouais, c'est vrai, vous avez 3 dragons, c'est vrai ça. Si on arrive à avoir le Elder, ça peut être intéressant. Il y a le Elder en effet. Dragon ancestral. Il a Zonia. Oui mais même le Zonia les gens, ça fait pas tout. Hein. Parce que là le Vel'Koz est tellement bas level. Bon, en fait, le problème de la stage du Zonia c'est qu'on a quand même... comment dire... Un Ezreal qui pourrait réagir avec un Q-spell ou... Enfin, là Ezreal il a été ultra mal. Parce que là, un stun sur Vel'Koz, il meurt en fait. Donc il aura même pas le temps de faire son Zonia. À moins qu'il soit extrêmement bien placé, mais ça va être un peu compliqué. Alors qu'avec une Banshee, moi j'aurais préféré limite une Banshee sur Vel'Koz parce que tu peux pas te faire toucher par le R de Fizz. Alors qu'avec le Zonia, tu dois faire Zonia, je veux dire. Et t'es sur place, du coup, ils peuvent te rattraper. Oui, la stase, c'est pas la meilleure. Surtout qu'avec grâce à la Banshee, ils pouvaient même annuler soit l'ulti Horn, soit l'ulti Léona. Léona, c'est trop bien. Ça aurait été plus intéressant à distance. Mais
On verra, on verra, on verra. Mais après, donc après, là, on essaye de chercher là. Là, on essaie de setup des trucs. Il y a pas beaucoup de vision, je pense, pour les rouges. On engage le baron. Attends, on engage le baron super rapidement. Non. Attention, attention, là c'est qui est en train de prendre tout? C'est Léona qui est en train de prendre tout, faites attention. Le fils qui est derrière, le Vel'Koz qui s'est fait complètement pulvériser. Je sais pas comment il était positionné le Vel'Koz. Le Lucien qui se fait complètement atomiser la gueule, mais il a pas d'ange gardien encore. Et c'est l'équipe rouge qui est en train de dominer. Non, je sais pas, ils sont que deux. Le Ken. Attends, mais le Ezreal, pourquoi il est full life? Il était où? Il est parti manger une soupe, le Ezreal, j'ai pas compris pourquoi il est full life. Et finalement, le fils vient de se faire rechercher. Et finalement, c'est 5 pour 2. Mais le Kled, il a combien de vie? Oh, le Kled, il avait un point de vie. Par contre, le Kled et le Ken en temporisation, les gens, c'est assez insane. Incroyable. Par contre, le Vel'Koz, son positionnement, je sais pas, mais à chaque fois, il se fait trop facilement catch. Et là, tu vas voir, je pense qu'il est en mode... Putain, j'aurais dû acheter une Banshee, en effet. Mais on va parler à vos joueurs. Mais t'as vu les teamfights, comment c'est ultra impressionnant, comment c'est ultra agréable à regarder. C'était très sympa, il y avait vraiment c'était de l'action. Tellement... C'était tellement serré, j'ai trop kiffé la game. GG les gars. Le Kled... Alors, MVP les gens dans le chat. MVP, oui. Qui MVP dans le... On va faire ça maintenant. Qui vous pensez MVP? Donc, most value personnage, je sais pas quoi là. Qui a été le meilleur joueur dans cette équipe? Très très joli game en tout cas. En score de vision pas dégueulasse. Hein. Score de vision d'ailleurs nickel. Hein. Tout quand, je sais pas si t'as regardé, énorme, mais... énorme. D'ailleurs... Très, très bien vu. D'ailleurs, même Talon, il a 74 en score de vision, c'est assez incroyable. Kled MVP, Talon un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui ont bien joué. Parce que même le Kane, tu vois, qui a un peu souffert, c'était. Il a fait des trucs de temporisation, mais c'est vrai que le Kled. Je pense que ça fait pas deux teamfights où il y a un PV. Après, il y a Talon aussi, il a remonté de loin. Avec, oui, Talon dès qu'il a commencé à acheter Dex Drinker, bah déjà le Fizz, il commençait à galérer à le combo. Là où quand Talon l'avait pas, c'était free pour Fizz. Hein. Alors, faut pas oublier que. Après, les gens, on rappelle. La botlane qui est en 0-10, ils ont pas été inutiles. Ils se sont pris des ultimes d'un Fizz complètement fed, et du coup ça a permis aux autres de son équipe de faire son taf. Mais heureusement que son équipe était bonne, heureusement que le Kled, Talon et Ken étaient bons. Parce que s'ils étaient pas bons, bah, ça aurait servi à rien, du coup c'était bien joué de faire le bouc émissaire. En tout cas, GG, top 3 des meilleurs games pour moi. Hein. Vraiment. Oui, c'est vraiment une très très bonne game. Très bonne game, on va faire des plates de diamants plus souvent je pense. Hein. C'était beaucoup plus dynamique. Non, c'était génial. C'était génial et on voit quelques erreurs parfois de build, etc. Grâce à toi, parce que moi, des fois, je vois des erreurs et des fois, genre, comment dire, je vois une erreur, par exemple, le Talon, j'aurais pris un X-Drinker, mais sur autre chose, j'aurais fait comme eux et toi, tu vois plus d'erreurs, etc. Du coup, c'était vraiment super intéressant. Et bah, j'ai joué aux joueurs. J'ai joué à eux. Ken et Kled. Il y a beaucoup de Kled quand même. Il y a beaucoup de Kled. Du coup, GG à toi, Kled. Bravo tout le monde. Le homme chien qui a fait de son mieux avec ouais, il s'est bien débrouillé. Et, des fois, tout le monde a bien joué. Au top, c'était très, très close à un moment, surtout en early. Ah, c'était génial. Ah, j'ai trop aimé la game. Du coup, les gens, c'était le coach abonné Platjam avec Toucan. Toucan, alors, on rappelle qu'on va bientôt faire un événement avec Toucan pour son passage niveau 1000. Oui. On vous dira ça sur Discord, mais très bientôt. D'ailleurs, là... ce sera le jour de mon anniversaire, normalement, si tout se passe bien. Ah oui, dans, du coup, plus ou moins 5... Ah oui, mais attends. Peut-être un jour après ton anniversaire, peut-être. Non, ce sera le jour... Le jour même, très bien. Donc tu me diras. On va faire ça dans l'après-midi jusqu'en soirée pour son passage niveau 1000. Ça va être de la bonne humeur. On va faire des arames avec tout le monde pour qu'on voit son passage niveau 1000. Et pour ces boîtes, j'en vous dis pas plus, mais on vous en parlera peut-être le jour de l'événement. Si tout va bien. Si j'ai des infos. Voilà. Du coup, Toucan, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. C'était très fun en tout cas, c'était très dynamique. Ah ouais, vraiment j'ai trop kiffé cette game. Merci beaucoup aux joueurs, merci beaucoup aux spectateurs d'avoir suivi cette game très très dynamique. Alors c'est la première fois qu'en fait il y avait des fights là, un autre fight là-bas, etc. Vraiment c'est rare quand ça se passe comme ça et c'était vraiment super stylé en tout cas. Du coup les gens, on va passer au bronze silver, on va prendre une petite pause. Toucan, ça va de pause là, la chute. On te laisse retourner dans ton zoo. Dans mon monde. Je vais voir les joueurs là et puis après ouais. Je vais partir. Moi aussi, je pense que je vais parler un petit peu avec les joueurs. Et puis c'est ça. Donc prenez une petite pause, on va revenir bientôt. Et c'était le coach abonné. Ouais, ciao, bye!